Mes phénomènes de la semaine sont Time Riders et Alice au Pays des Merveilles. Je vais commencer par Time Riders. Time Riders, c'est une série écrite par Alex Scarrow. Elle a 9 tomes. Ça a l'air beaucoup, mais c'est tellement addictif que vous allez vouloir toutes les dévorer, croyez-moi. La série raconte l'histoire de 3 adolescents. Ils vont presque mourir, mais à la dernière seconde, un mystérieux inconnu les sauve et les amène dans une boucle temporelle qui les piège le 11 septembre 2001. Ils n'ont aucun lien en commun, sauf qu'ils ont failli tous mourir. Et leur but, c'est d'empêcher le voyage dans le temps de détruire le monde. Dans cet univers-là, le voyage dans le temps existe. Et des gens malfaisants peuvent le prendre et s'approprier tout le temps. Donc eux, ils sont là pour protéger l'histoire. J'aime vraiment cette série-là parce que les personnages sont super attachants. Et sérieusement, il y a toujours beaucoup de mystères et d'intrigues. Même avec les 9 tomes, l'auteur finit toujours par nous surprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, surtout les gens qui aiment la science-fiction, je vous recommande extrêmement cette œuvre. Mon deuxième phénomène, c'est Alice au Pays des Merveilles. Les gens ont tendance à sous-estimer les œuvres, surtout les contes, parce qu'ils disent « Ah, c'est des trucs pour enfants ». Mais sérieusement, il y a tellement des belles choses, tellement des merveilles, des aventures qui se cachent là-dedans. Moi, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, c'est certain. Donc, vous savez sûrement l'histoire. Alice qui voit un lapin qui tombe dans le terrier, qui raconte plein de personnages que plusieurs déjà savent, comme le chat de Chester, le chapelier, mais aussi des personnages qui sont seulement dans le livre, comme la duchesse ou un simili-tortue ou même un griffon. Donc il y a vraiment plein d'aventures qui se cachent dans les œuvres originales, donc je vous conseille vivement de les lire. Pour Alice au Pays des Merveilles, moi j'ai 3 versions parce que j'aime un petit peu trop ça. Donc j'ai une version un peu plus classique qui est vraiment très facile à transporter pour des aéroports ou dans des meetings de famille, ça vous tente pas tellement, porter un livre. Ensuite, ma première version, je l'ai achetée au Salon du Livre. Je vous conseille vraiment aussi d'aller au Salon du Livre parce qu'il y a tellement des auteurs aussi qu'on peut rencontrer, des belles œuvres qu'on peut découvrir. Moi, je trouve ça vraiment parfait comme occasion. Et enfin, une version manga et anglophone. Ce que je préfère dans cette version-là, c'est qu'elle est vraiment compacte, donc je peux la traîner partout et elle rentre facilement dans une sacoche. Celle-là, c'est ma version d'origine, donc c'est sûr qu'elle porte des places importantes dans mon cœur. Et la version en anglais parce que je trouve ça vraiment important de lire les mots originaux de l'auteur si on peut comprendre évidemment la langue originale de l'auteur. Alors mes phénomènes de la semaine, c'était Time Riders et Alice au Pays des Merveilles.